Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire culture religieuse. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter la lumière sur un sujet très intéressant, très important au sein de l'islam. Et comme vous savez, chers téléspectateurs, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si vous avez passé par les jardins du paradis, donc rassasiez-vous. Ils ont dit, quels sont les jardins du paradis? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce sont les cercles d'invocation d'Allah. Donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons jeter la lumière et discuter ensemble d'un sujet très important. Il s'agit de la réconciliation entre les gens. Par exemple, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths, on constate à quel point Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont souligné l'importance de préserver de bons rapports avec les gens. Avec les prochains, les proches et ainsi de suite. C'est ainsi à titre d'exemple, par exemple dans le livre d'Allah, dans le hadith, on peut dire ce qui suit, je cite, « Dis à mes esclaves de tenir le langage le plus doux, car le diable plante les aiguillons de la haine entre eux. Le diable sera toujours pour l'homme un ennemi évident. » Dans d'autres, il y a bien sûr, si je puis dire, même d'autres versets, mais pour, par exemple, un hadith proposé par le prophète Mohammed, « Ne vous détestez pas, ne vous enviez pas les uns les autres, et ne fuyez pas les uns les autres, et soyez des frères et des serviteurs d'Allah. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère au-delà de 3 jours. » Donc, pour commencer, nous devons tout de suite saluer notre grand imam au sein du Centre mondial des fatwas, Cheikh Al-Husseini. Vous êtes toujours le bienvenu, Sénat international. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et pour commencer tout de suite de cette édition, permettez-moi de vous proposer cette question. Le statut de la réconciliation entre les gens au sein de l'islam. Quelle est l'importance de ce statut, de ce mérite? Tout d'abord, je voudrais vous saluer par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le statut de la réconciliation entre l'islam, il fait partie des objectifs très importants dans l'islam et de bon caractère. Parce que la réconciliation entre les gens, entre les musulmans, et elle préserve les liens très bons. Elle réserve les familles de détruire. Et comme nous sommes des êtres humains, et il est normal que le conflit et les désaccords éclatent entre nous. C'est une chose très normale. Mmh. C'est pourquoi l'islam nous exhorte pour jouer un rôle très important pour se réconcilier entre les gens. Mmh. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fattakullahu aslihu dhata baynikum wa ati'ullahu rasulahu in kuntum mu'minin » Ça veut dire que craignez Allah subhanahu wa ta'ala et maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et obéissez à son messager si vous êtes croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset que la réconciliation entre les gens, c'est une caractéristique très importante de croyants. Et que le croyant qui ayant de cœur pur, son foi et que son croyance est très solide, et il cherche toujours pour réconcilier entre les gens, entre les musulmans, pour réserver les liens, relations et trépons entre ses frères. Mm. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith très authentique, « Afdal sadaqa, slahu zatil bayt ». Ouais. Ça veut dire que la meilleure d'actes de charité, c'est la réconciliation entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit la réconciliation dans son hadith comme en charité, mais voire la meilleure de charité. Ouais. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset,
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon dans la plus grande de leurs conversations secrètes, à l'expression que celui qui fait la amra bi sadaqatin qui ordonne en charité ou ma'rouf une bonne action ou islah bayna an-nas, la conciliation entre les gens. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, et celui qui fait cela dans l'espoir de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala a promis dans ce verset que celui qui est réconcilié entre les gens, il accordera une récompense très, très énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie future comme dans la vie ici-bas, d'ici-bas. Oui. Donc nous devons tout de suite proposer à nos chers téléspectateurs un reportage sur ce sujet. Après ça, bien sûr, on va continuer et poursuivre ensemble cette discussion très intéressante. La réconciliation des gens fait partie des comportements moraux gros et nobles. La charia, ou la législation islamique, l'exhorte à plus d'une occasion. Comme Allah le Tout-Puissant dit, selon la traduction du sens du verset, « Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous ». En raison de l'importance de cette vertu, l'islam a fait de ceux qui cherchent à réconcilier les gens les bénéficiaires de la zakat ou l'aumône obligatoire. Le prophète a dit « La meilleure des charités est de réconcilier les gens ». Les poètes n'ont pas oublié la vertu de réconcilier les gens, de sorte qu'ils font immortaliser dans leurs poèmes un poème arabe contenait un vers qui signifie « Tous les mérites font référence à deux sujets, glorifier les ordres d'Allah le Tout-Puissant et rechercher la réconciliation entre les gens ». La réconciliation des gens est une branche de la foi et un code moral islamique par lequel les rancunes sont éliminées, les cœurs sont purifiés et les flammes de la fitna ou la discorde sont éteintes. Allah le Tout-Puissant dit à propos de cette qualité « Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action, une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. L'islam exhorte le croyant à considérer la réconciliation des gens comme étant l'un de ses objectifs les plus importants de sa vie dans ce monde. Il en est ainsi parce que c'est au travers de la réconciliation que la Oumma devient une unité cohérente ou une partie de celle-ci vise à réformer l'autre. Ainsi, elle devient comme un seul corps. Si un organe de celui-ci se plaint, le reste du corps souffre d'insomnie et de fièvre. En fait, chers téléspectateurs, le grand prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi. Les actions de chacun sont exposées chaque lundi et jeudi, et Allah, qu'il soit glorifié, pardonne à tous ceux qui n'associent à Allah aucune idole, sauf aux deux personnes qui ont une rancune entre eux. Allah dit à leur propos à ses anges, laissez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc ça prouve et ça révèle bien comment la réconciliation entre les gens occupe toujours une grande place au sein de l'islam. Mais justement, avant de passer aux explications de notre grande invité, je dois même vous proposer ce hadith très intéressant. Selon notre grand prophète, Ash-Shaytan, désespéré d'être adoré par les orangs,
dans la péninsule arabique. Mais il n'a pas désespéré de semer la discorde, la cisanie et les conflits entre eux, ou c'est comme on appelle « at-tahrij baina an-nas ». Donc, de retour à vous, monsieur notre grand cheikh Al-Husseini, est-ce que, ou plutôt, comment l'islam exhorte les gens à arriver à maîtriser ce mérite, ou maîtriser ces telles éthiques, la réconciliation entre les gens? Et quelle est la récompense de ça? Et bien sûr, l'islam a exhorté les musulmans à réconcilier entre les gens. Et l'islam considère la réconciliation comme un acte qui mérite la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si l'islam fuit les gens, fuir de les gens, de semer la corruption entre les gens. Même si Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son hadith Qudsi, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, par le hadith Qudsi, « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والعمى بالسهر والحمى. » C'est-à-dire que les musulmans dans leur amour, dans leur réconciliation comme un seul corps. Quand le membre de ce corps est tombé malade, le reste de son corps, il lui est scopé par la fièvre de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a une relation, il y a un lien entre le membre de la communauté musulmane. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tufattah abwab al-jannah yawm al-khamis, yawm al-isnani yawm al-khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yushrik billahi shay'an illa rajulan kana baynahu wa bayna akhihi shahna. Fayuqal akhiru ay anziru hadhain hatta yastaliha. » Qalaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thalathat marrat. C'est-à-dire que les portes du paradis sont ouvertes au cours de 2 jours, le lundi et le jeudi. Et chacun qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala se voit accorder le paradis, accorder le pardon, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés. Et à l'exception de celui qui éprouve des rancunes, les zikrat baynahu wa bayna akhihi shahna, Allah subhanahu wa ta'ala dit akhiru hazay, retarder l'entrée de deux personnes au paradis jusqu'à ce qu'elle se réconcilie. Hatta yastaliha. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. C'est-à-dire que celui qui réforme et pardonne, فَأَجْرُهُ son salaire, son récompense sera Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes. Donc l'islam exhorte les musulmans à jouer un rôle très important dans la réconciliation pour préserver les liens très bien et pour éviter toutes sortes de corruptions entre ses amis, les amis, les proches, même si entre l'époux et son épouse, entre les frères et son frère, etc. etc. Tout cela pour réserver la communauté musulmane une unité cohérente et renforcer les liens entre eux. Ouais. Donc, actuellement, je dois vous donner une toute petite pause à travers cette visite qui va être présentée par notre cher collègue Chanez Ismail dans une mosquée monumentale qui se trouve au sein du Caire islamique. Bet El Sehemi, ou la maison d'El Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle.
La maison d'El Sahemi se trouve au cœur du Caire Fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb El-Asfar, tout près de la rue d'El Mouiz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El Sahemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de deux étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces deux étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohamed Amin al-Sahemi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sahemi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El Sahemi est composée de deux édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahab Tablaoui. Et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El Sahemi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de deux édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de trois façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de trois étages et donne sur la ruelle d'El Darb El-Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du Cheikh Nasreddin Al-Arba'in. La façade de cet premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle d'El Darb El-Asfar. Et elle se compose de deux étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El Sahemi conduit vers une surface carrée. En fait, chers téléspectateurs, dans le Coran en général, notamment dans la sourate Al-Hujurat numéro 49, on trouve que, qu'Allah, qu'il soit glorifié, a présenté, a montré beaucoup d'éthique à suivre par les croyants. Par exemple, dans le verset 10, Allah, qu'il soit glorifié, a dit « Les croyants ne sont-ils pas des frères? Réconciliez donc vos frères et craignez Allah afin de mériter sa miséricorde. » Donc, ma question, ma prochaine question avec plus de précision va porter sur l'interdiction de rendre les relations entre les gens mauvaises. Donc, notre grand cheikh Al-Husseini, comment l'islam a interdit le fait de mettre la cizanie, la discorde, dans les relations entre les gens? Bien sûr, dans l'islam, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths qui exhortent les musulmans à recorder ou réparer les relations et les liens entre les gens. Et en parallèle, l'islam
interdit de semer la corruption entre les gens. Même si Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, dans ses versets, a promis d'un châtiment très important de celui qui répond à nos mal et celui qui rend les relations entre les gens très mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith « La yahillu li mu'minin an yahjur akhahu fawqa thalas » يلتقيان في عرض هذا وارد له خيرهما من يبدأ بالسلام. Il est interdit pour un musulman de rompre complètement ses relations avec son frère. Quand ils s'y rencontrent, ils détournent le visage de l'autre. Et le meilleur entre eux, c'est lui qui salue l'autre le premier. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ تَقَوَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit celui qui rompt les relations, celui qui sème la corruption entre les gens, comme étant l'un des injustes. D'accord. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith très important, تفتح أبواب الجنة يومين يوم الاثنين يوم الخميس فيغفر لكل امرئ أو كل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحنا فيقول الله سبحانه وتعالى أنظروا هذين حتى يصطلحا. Dans ce hadith, Allah سبحانه وتعالى dit que le pardon il ne sera pas mérité de celui qui ayant de la rancœur contre son frère. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime enlever, exprimer ou annuler toute forme de rancœur, de l'hostilité entre les musulmans. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime que le membre de la communauté musulmane vive en paix avec eux-mêmes pour éviter toutes sortes de pour capacité de embesionner les relations entre les gens. Oui. Ma dernière question va porter sur les caractéristiques de ceux qui méritent d'intervenir afin d'éliminer toute miséricorde, toute plutôt discorde, toute cisanie, toute corruption entre les gens, dans les relations entre les gens. Merci. Et quelles sont ces caractéristiques? Je vous pose cette question parce que vous possédez à Al-Azhar une unité, notamment dans le centre de fatwa mondial, une unité qui vise toujours à intervenir afin de rendre les relations très bonnes entre les gens. Bien sûr, la personne qui cherche à la réconciliation, ce qu'on appelle en français, c'est réconciliateur. Il doit jouir de quelques ou certaines caractéristiques qui lui aident à récolter les effets de son travail, y compris en première son intention. Son intention elle doit adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, car Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أُمْرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » Aussi Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » Les intentions varient seulement sur les intentions. Donc, celui qui cherche à réconcilier entre les gens il doit avoir une intention sincère adressée à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. En deuxième chose, la reconnaissance. La reconnaissance elle doit fonder sur la charia islamique pour savoir le droit et pour savoir le devoir. Quand il vise à réconcilier entre les gens, il doit savoir quelle relation, quel devoir qu'il doit. C'est-à-dire faire savoir les connaissances, de la relation entre les gens. Aussi, il doit chercher la justice, l'adl. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Donc, celui qui cherche à la réconciliation, il doit adhérer, il doit chercher la justice. Aussi, il doit prendre son temps pour étudier bien l'affaire, pour écouter bien soigneusement les parties en conflit,
pour donner à chacun son droit et pour enlever le conflit totalement entre les gens. Aussi, il ne doit pas timérer, il ne doit pas presser à prononcer ses verdicts ou son verdict. Il doit prendre son temps, il étudier, il écouter, il analyser les effets, aussi les conséquences, et aussi les répercussions, surtout les parties. Donc, notre grand cher Al-Husseini Fahmi, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne ce sujet très intéressant, très important, notamment dans ces jours-ci, la réconciliation entre les gens. Bien sûr, ça s'avère une mission qui n'est pas qui n'est pas facile, mais c'est tout à fait très nécessaire. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, chers téléspectateurs, et assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.